Et coucou mes petits nuggets, c'est Sabo et on se retrouve pour une vidéo encore une fois assez spéciale. Bon, c'est pas vraiment un café avec Sabo. Bon, même si bon voilà quoi. Enfin, on va pas se priver pour autant. La machine a foiré, il a un goût d'eau de Javel ou je sais pas quoi. Oh, il est dégueulasse. Il va falloir que je le refasse. Oh putain, je suis dégoûté les gars. Y a jamais rien qui va dès que j'en suis une vidéo. Bon, je vais essayer de me mettre quand même à contre-jour, etc. Enfin ouais, à contre-jour histoire de ma meilleure vue. Bon, aujourd'hui comme vous l'avez vu dans la vidéo les gars, on va adopter un chat. De base, je suis pas trop chat. Je suis plutôt chien. J'ai eu que des chiens dans ma vie. Bon, des chiens, des furets, des pigeons, comme ça au moins on est rodé. Ouais, j'ai eu un pigeon, je l'ai encore d'ailleurs, il est chez mes parents. Mais j'ai eu un pigeon dressé. Wow, putain, c'est vrai que dit comme ça. Mais bon, du moins, j'ai eu plein de petites bestioles chez moi. Du coup, là, maintenant, vous le savez, on a déménagé, c'est un nouveau studio, nouvel appartement. Donc forcément, tiens, putain, pourquoi il m'a retiré les trucs, lui? Qui dit nouvel appartement, dit tout simplement, bah, plus d'animaux, et c'est vrai que ça m'emmerde un peu, tu vois, genre, je suis pas habitué, j'ai toujours vécu avec des animaux toute ma vie, là, j'ai été clairement triste, j'avais les boules. Hier, les gars, qu'est-ce qu'on a fait? Bon, du coup, qu'est-ce que j'ai fait les petits potes, j'ai tout simplement été à l'SPA, j'ai été voir un chat et du coup ce chat va tout simplement arriver aujourd'hui les gars. J'y vais cet après-midi, je pourrais malheureusement pas filmer à l'SPA parce que je peux pas me pointer au milieu de tous les chiens et les chats. Avec la caméra en plus de prendre le chat, ça serait trop galère malheureusement. On se retrouvera directement quand j'aurai le chat. Mais avant ça, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté pour le chat. Parce que forcément, qui dit chat dit il lui faut des trucs pour dire d'être bien au chat, tu vois, obligatoirement. Et mine de rien, ça coûte cher. La facture, elle était. Je m'attendais à une belle facture, mais pas une facture comme ça quoi. Bon, du coup, on commence déjà par ça. Ça, c'est le distributeur d'eau. Bon, l'eau que j'ai déjà rempli, j'en ai foutu partout tout à l'heure. Et le distributeur de croquettes. Alors, mine de rien, ça coûte cher, hein, ces conneries-là. Rien que là, les deux, ça fait quoi? Ça doit faire 15-20 euros. Je dois avouer que sur le coup, on croyait pas. Bon, forcément, le petit panier à chat, là, avec le truc, putain, je vais même pas regarder. Genre, il peut se mettre dedans, le truc, il est trop. Eh, franchement, j'ai presque envie d'avoir un truc comme ça, mais pour moi, tu sais. Imagine un peu le délire. Ça, putain, ça serait une tuerie. Bon, c'est pareil, ça coûte une blinde, les guns, en parlant pas. Mais ça va, tu vois. Genre, le chat, il se met bien. Jusque-là, il se met bien. Mais là, attention, on va y avoir le truc où là il se met réellement bien. Bon, je vais devoir bouger parce que sinon vous allez voir ma fenêtre, ça va pas le faire. Je vous connais les gars, déjà il y en a déjà certains qui ont commencé à me repérer. J'ai que 4300 abos d'ailleurs, merci les mecs, on est 4300. Et je dois avouer que ça m'a fait un petit, j'étais là en mode ah ils me connaissent, ça m'a fait bizarre, j'étais pas forcément prêt. On va vous montrer ça et là ça va être marrant, déjà vous allez commencer à le voir derrière moi normalement. Bon, le putain d'arbre à chat. Donc alors là les gars, c'est un arbre à chat de compète, hein. Genre déjà là on s'éclate, on s'amuse, hop, comme vous pouvez le voir. Alors déjà on peut commencer à voir, donc le premier étage, donc là déjà regardez moi ça, là il y a la bubble pour faire mumuse avec le chocho, là il y a le truc pour faire ses griffes, en priant pour qu'il fasse ses griffes là dessus et pas sur mon manteau ou mes chaises là qui sont juste là, ça va juste me faire chier ça. Bon là de quoi foutre son gros cul de l'ardonne juste ici, et là on a aussi la petite souris, tac, au premier étage. Ensuite on a clairement du coup là ici le truc pour dire qu'il puisse pioncer, j'espère qu'elle se foutre là dedans aussi. Alors putain, genre je suis vraiment trop, je suis déjà gaga du chat sans rien, je vais déjà acheter un nounours, du coup une baleine, ouais, donc pareil. On verra bien ce qu'elle en fait. Et ensuite, bon, du coup, hop, ici, encore une fois, pour faire ses griffes. Et directement, ici, le siège, le trône de sa divinité. Hop, elle pourra foutre son gros cul ici. Bon, forcément, litière pour chat, les gars, bon, vous connaissez. Bon, déjà, la litière, regardez. Là, ça c'est une réparation parce que quand je l'ai acheté, j'ai été obligé de foutre de la colle. Parce que quand je l'ai acheté, bah, j'ai réussi à la broyer. Même pas, allez, le temps que je rentre chez moi et que je l'achète, on va dire, il y a un petit quart d'heure. Et je l'ai broyé en 5 minutes de temps environ. Bon, ça va, un peu de colle, etc. C'était réparé et c'est sécurisé. Donc, tout est déjà prêt pour le chat au final. Et alors là, le truc qui m'a pris le plus de temps à monter. Alors, cette merde là, ça c'est une cage à chat. Enfin, une cage à chat, une cage de transport pour chat. Donc, pareil, avec le petit truc ici pour ouvrir. Alors, ça, cette merde là, elle m'a pris environ 20 minutes à monter parce que c'est plein de petits clips comme ça. Et sachez une chose, c'est que moi j'ai des gros doigts, des grandes mains. Genre, vraiment, j'ai des mains, tu vois, genre, tu veux pas prendre une claque quoi. Et clairement, enfin. Déjà rien que ça, tu vois, ça casse. Genre là ici par exemple j'en ai pété un, du coup j'ai dû improviser avec une fixation un petit peu spéciale du coup. Mais rien que ça déjà, du coup c'est ultra chiant à mettre, j'ai passé au moins 20 minutes à monter cette merde. Alors que l'arbre à chat je l'ai monté plus rapidement. En sachant que l'arbre à chat les gars c'est une tour, hein. Très clairement, vous voyez le délire, le truc, enfin moi je fais 1m80, là ça fait facilement 1m60. Je connais des personnes qui sont moins grands que ça, pour te dire. Donc là le chat il se met bien, il se met à l'aise. Du coup ça c'était déjà le budget on va dire, rien que tout ça, tu vois, ça fait 150 euros.
Donc là au début j'aurai un paquet de croquettes à lui donner spécial et puis ensuite ce sera mes croquettes et la pâtée une fois par semaine. Ouais, je me suis bien renseigné quand même en sachant qu'adopter un chat, les gars, c'est pas, enfin même un animal tout court, c'est pas quelque chose d'anodin. C'est quelque chose, on va dire, qu'on doit bien réfléchir, pas sur un coup de tête, tu vois. Faut pouvoir s'en occuper et au-delà de ça, en fait c'est une responsabilité en plus, tu vois. Pour un animal, c'est un truc que je dis toujours et c'est quelque chose, tu vois, genre franchement ancré le vous dans le crâne. J'ai galère à le dire, mais c'est vraiment ça. Pour un animal, nous c'est une partie de notre vie, un animal. Genre il va vivre peut-être aller 10-15 ans avec nous, tu vois, pour un chat, un chien, je veux dire, à peu près. C'est environ la moyenne d'âge généralement. Alors que pour eux, nous, on est toute leur vie et genre ils passent leur vie entière avec nous, tu vois. Donc c'est pour ça, c'est une responsabilité, ils doivent avoir de quoi au final bien vivre, s'amuser, etc. Tu vois. Genre vraiment ça doit être ça. Ouais, attendez, j'ai oublié de vous montrer un truc. Où est-ce que je l'ai mis? Je crois que c'est dans ce placard là. Pouh, mais là déjà je vais acheter un jouet, les gars. Avec ça, je sens que je vais m'éclater obligé, hein. Je prends un petit morceau de vidéo ou quoi. Ou jouer avec ce truc là, le pompon du chat et le chat. En sachant que le chat, je vous en ai pas encore en parlé, je vais vous en parler du chat. Parce que ça, c'est ce qui vous intéresse. Au final, là, je vous parle des accessoires, tout ça, mais pas du chat en lui-même. Bon, c'est pareil, depuis tout à l'heure, je vous dis le chat, le chat, le chat. Mais ça vaut le chat, au final, on connaît rien, on connaît même pas le nom, etc. Et d'ailleurs, vous allez voir après, vous inquiétez pas, hein, mais ça, c'est pour la fin de vidéo, le watch time, les gars. D'ailleurs, pensez-y, lâchez votre like, abonnez-vous, ça me fera super plaisir. Et aujourd'hui, les gars, on va parler un petit peu du chat maintenant. Comme je vous ai dit, c'est un chat que j'ai eu en SPA, tout ça. Je vais vous raconter un peu son histoire. Parce que forcément, c'est, comme je vous l'ai dit, c'est une responsabilité, etc. Un chat. Mais en plus de ça, moi j'ai choisi un chat en SPA parce qu'au final, plutôt qu'un chaton, etc., tu vois, que j'aurais pris, etc., pasteurisé, tout ça, mais en fait, j'ai préféré prendre un chat qui était de base un peu malheureux pour dire lui offrir une vie meilleure. En sachant que quand t'adoptes un chat, tu peux en sauver un autre. Parce que quand t'adoptes un chat en SPA, par exemple, tu libères une place dans la SPA. Donc ça veut dire qu'ils peuvent réaccueillir un autre chat en SPA qui était malheureux, maltraité, etc. En sachant que moi, c'est un chat en fait qui, à la base, c'était un chat des rues. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un chat qui. La mère en fait les a eus. Les chats en gros quand elle a accouché, tous ces chatons sont nés dans une toiture et la mère et les chatons vivaient dans une toiture. Donc ils l'ont récupéré dans une toiture carrément. Le chat il a toujours vécu dans une toiture. Il était pas habitué aux humains et tout, donc il a quelques vices un petit peu à corriger. Je vous en parlerai tout à l'heure quand elle sera là. Bon après il y a un petit souci avec le chat. Le seul gros souci c'est que le chat c'est une femelle. Bon ça c'est pas le souci. On sait que les femmes c'est chiant mais. Allez la cartouche gratuite. Oh, je vais me faire insulter dans les commentaires. Mais en fait le souci, le réel gros souci qu'il y a, c'est qu'en fait actuellement elle s'appelle Wesley. Genre Wesley comme ça, je ne sais pas trop, enfin c'est écrit comme ça. Je vais lui trouver un nouveau nom qui résonne un peu plus féminin parce que Wesley, déjà ça aurait été un mâle, ça m'aurait fait bizarre qu'il s'appelle Wesley, c'est un peu drôle, mais pour une femelle je trouve ça vraiment chelou. On va essayer de lui trouver un nouveau prénom, j'avais pensé à Alaya, on verra, ou Lala, un truc comme ça, on va trouver un truc simple qui sonne un peu, qui résonne bien, tu vois, qui correspond mieux à une femelle. Je vais mettre ma caméra chargée tout ça pour ce soir, et je vous retrouverai ce soir quand le chat sera là, histoire de vous le présenter. Bon les petits potes, on est de retour à la maison, et on est avec... Du coup, Alaya. Du coup, je l'ai ramené, je l'ai fait sortir. Sauf que le problème, c'est que là, ça fait genre un bon quart d'heure qu'on a à la maison, peut-être plus, et elle me fait la tronche. C'est-à-dire que là, quand je dis elle me fait la tronche, c'est. Ben, enfin, je vais vous montrer, vous allez voir. Du coup, j'ai le canapé qui est là, et elle est là-bas tout au fond, on la voit pas. Je crois qu'on la verra pas, non, malheureusement, parce qu'elle a décidé de me faire la tête. On va peut-être essayer de la faire sortir un peu, bon, je sais pas si c'est la meilleure idée que j'ai, mais. Elle est là-bas. Du coup, on la voit rapidement ici, là. On voit juste son ombre, elle veut pas venir. Elle fait ça timide. Bon, en vrai, elle est gentille comme tout, elle ronde dès qu'on la caresse, mais j'ai réussi à la caresser tout à l'heure, mais là, elle me fait la tronche. Elle est là depuis tout à l'heure, je pense, elle est un petit peu apeurée. Forcément, après, je la fixe avec un appareil photo, donc ça l'aide peut-être pas. Bon, moi, de mon côté, je vais pas la forcer si elle a pas envie. Je vais essayer de vous reprendre si jamais je vois qu'elle sort, mais pour l'instant, ça a pas l'air gagné. Ou sinon, je vais reprendre au niveau du bureau. Si d'ici ce soir, je pourrais essayer de la faire sortir, je verrai bien. Du coup, on va faire ça ensemble, on va le peser, parce que là, si on regarde derrière au niveau de la notice. Comme on peut le voir, moi, fait 3,5 kg, donc pour ça d'intérieur, c'est 35 grammes. Bon, hop, du coup, j'ai mis les piles dans la petite balance. Je n'ai aucune idée de comment ça fonctionne. On va regarder qui c'est qui pointe le bout de son nez là-bas. Elle fait déjà des bêtises. Bon, par contre, t'es encore un peu planqué, là, t'es derrière ma télé, donc si tu pourrais éviter de bouffer les câbles, si ça m'arrangerait. Bon, nous, on va essayer de te mettre à manger. Regardez-moi le loser, les gars. Il y avait des sécurités sur la balance. C'est pour ça que ça marchait pas. Je la tare, bah ouais, là, ça marche, mais bizarrement. Bon, on avait dit, du coup, pour un chat de 3,5 kg, c'était 35 grammes. Un chat d'intérieur, on va lui mettre 35 grammes, en sachant que je ne sais pas si elle a eu un manger aujourd'hui, mais sait-on jamais, autant lui mettre 35. Au pire, pour aujourd'hui, ben, sera ralasse c'est puis... On verra. Bon, hop là, 35 grammes, ça correspond à quoi 35 grammes? Jauger à une main, c'est pas facile. Ok, bon, regardez, c'est les gamelles spéciales comme ça, hop, avec distributeur. Du coup, juste à venir retourner le truc, hop. Et voilà le tout. Bon,
Un distributeur, je suis pas sûr au final que c'était si pratique que ça, ni si utile. Regardez-moi sa petite tête. Sachant que là, elle est dans mes cartons encore de déménagement, tout ça. Allez, au niveau des câbles, bien évidemment, je crois que c'est une gameuse de base. Et genre, quand on la caresse, elle ronronne, mais elle ne veut pas. Elle veut pas pointer le bout de son nez, genre. Autrement, bon, par contre, ça fait gaffe, c'est le câble internet, ça, s'il te plaît. Oh la gueule de détail que j'ai pas, moi. Oh la vache, les petits potes, on est pas bien là. Bon, les gars, déjà, il est tôt, quand même assez tôt. Bon, du coup, vous devez tous vous demander ce que ça donne avec Alaya. Tout simplement parce que ça y est, genre ça fait quoi là, 2-3 jours qu'elle est à la maison. Et ça y est, on est poteau, tout va bien. D'ailleurs, elle kiffe faire un truc qui me... Enfin là, c'est dommage, elle est pas là. Eh ben, elle a trouvé aussi que le cap management, c'était pas ça. Du coup, elle a la bonne idée de se mettre exactement ici, là, généralement, derrière l'écran. Et elle aime bien aussi me faire tomber cette alimentation-là de micro. Pas facile de cadrer avec un zoom pareil. Tu t'étais planqué ! Où titi chacha ? Et je suis un bonhomme, ok, tu te... Hein, ok, ça reste entre nous. T'as foutu tes grosses traces de pattes blanches, là, putain, sur le coussin. Là, elle a son vieux vice, c'est-à-dire qu'à partir du moment où j'approche, elle se barre et dans 2 secondes, regardez bien. Hop, je vais faire ça, elle va venir... Ah, ah bah non, en fait, elle me fait mentir, elle se barre. Mais genre, elle se barre pas loin, tu vois, elle se barre derrière moi. Elle a pas envie ce matin, elle a pas envie. Et comme par hasard, elle a pas envie le jour où je tourne la vidéo, hein, sinon c'est pas marrant. Fou de ma gueule, en fait, c'est dès que je tourne la caméra que tu te barres. Ah, ou bien c'est parce que j'ai appareil photo, ça t'inquiète. C'est ça qui va pas, en plus t'es sur le canapé là, meuf, t'as pas le droit techniquement. Dans le canapé, limite, c'est pas grave, tant que c'est pas le lit. Regardez ça, les petites mémères. Regardez ça. Tititi chacha. Ah ouais, l'appareil photo, t'aimes pas. Faut dire, tu m'étonnes, je lui pointe un truc de sa taille sur la gueule. Ah bah ça y est. Bon, par contre, c'est pas facile de tout faire, cadrer et de caresser en même temps. En plus, elle a quelques petits vis, regardez, elle se tourne dans tous les sens dès que je la caresse. Et genre, elle aime bien, hein, mais regardez ça. Oh punaise, regardez-moi cette carpette. Et elle va se mettre à ronronner comme un tracteur. Elle fait un de ces bruits, c'est un truc de dingue. Non, non, ça par contre, non, ça c'est un morceau de caméra, ce que t'es en train de manger là. Bon les gars, je veux masse commenter et masse de likes pour cette vidéo. J'ai pas forcément oublié l'habitude de vous vlog à vie. De vous vlog tout ce que je fais habituellement. Mais là, du coup, je me suis dit que ça serait une bonne idée de vous montrer un petit peu, etc. De toute façon, je vous en ai déjà parlé dans le début de vidéo. Du coup, les petits gars, c'était Sabo, et on se dit à très bientôt.